Et donc, bonjour, bonsoir, c'est Révan, on se retrouve pour cette partie 6. Ouais, hier, je crois que j'ai dit des conneries, j'ai dit que c'était la partie 6, alors que c'était la 5. Enfin, je dis hier. C'était très tôt pour moi ce matin. Enfin, bref, donc on se retrouve pour l'épisode 6 de... Bon, j'ai oublié. Ah, mise au point. Mise au point, modèle Mathilda. D'accord. Alors, je suis désolé, je regarde les modèles. Qu'est-ce que c'est que ça? Modèle. Non, c'est pas ça. Concept art. Oh, mais oh là là! Raccoon City. Voilà. Oh là là, que c'est joli! Oh là là, que c'est joli! Bah alors, du coup, j'imagine que tout ça, ce sera avec Claire, hein, qu'on le verra. Ah là, c'est avec Léon, d'accord. Commissariat B. Ah oui. Made it even. Ok. Ok, si tu veux. Bon, alors, c'est parti, campagne. On va continuer avec Léon. Bon, alors, ça y est, j'ai les trois médaillons. Hop, alors il me semble qu'à la base il y en avait qu'un et c'était pas du tout pour ça. Il me semble qu'à la base c'était pour récupérer une clé, je crois, les trois médaillons, et pas pour ouvrir le sous-sol. Et qu'il y avait celui de la licorne. Mais bon, je me trompe peut-être. Mais bon. Là n'est pas le plus important. Hop. Oui, c'est compliqué. Mais bon, ça y est, on va enfin pouvoir dégager toutes les autres. J'en suis sûr, j'ai. Et Marvin, il va se transformer. Putain, en plus j'ai joué comme un sac et j'ai plus de munitions de pompe. Excusez-moi, je bois un coup. Bon. Bon. J'ai toujours ce médaillon rouge, je sais pas à quoi il sert. Allez, on se casse. Marvin? Je me dis putain, et le con, il a disparu. Allez, dernier du meilleur d'ailleurs. Marvin, est-ce que t'as vu? On a... Marvin? Marvin? Ça mène bien en bas. C'est bon. On peut sortir. Lieutenant Brana! Marvin! On fiche le camp. Hey, Marvin. Ah! On doit vous emmener à l'hôpital sans tarder. Non, non, je... Sauve ta peau. Allez, je vais vous aider. Attends! On peut encore sortir d'ici tous les deux. Mais donnez-moi... C'est trop tard, Léon. J'ai essayé, tu sais. Mais j'ai pas pu l'arrêter. On peut pas laisser ça se propager. Je compte sur toi. Va-t'en. Très bien. Bon. Ah oui, d'accord, alors le commissariat, c'est vraiment fini. Comptez sur moi, Marvin. Ça veut dire chemin de la déesse. Je peux pas venir en arrière. Ah non, donc le commissariat, c'est vraiment fini. D'accord. Donc ça veut dire que c'est... Putain. On va faire un peu de place. Alors, c'est quoi ça? La poudre d'air. Vas-y, je prends, ok, pas de soucis.
Donc du coup, attendez, je fais toujours mon petite organisation. Voilà, hop, 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 voilà. Ah ah, une machine à sauvegarde. C'est tout, il n'y a rien d'autre ici. Attendez, je vais rapprocher des statues. De quoi? Un pistolet? Non, attends, c'est quoi? Donc on aura besoin d'un truc pour déverrouiller ça. Ok, d'accord. Mais attends, il y a le commissariat, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fouillé. À moins que ça veut dire que ce sera avec Claire, ou soit on y revient plus tard, soit c'est avec Claire qu'on fouille. Parce que là, c'est... Ça me paraît un peu court, quoi. Bon, d'accord, allez, vas-y, hop, allez, on va revenir sur celle-là. Ouais, mais c'est surprenant. Comme je vous disais, il me semblait que c'était beaucoup plus... ouais, parce qu'on était censé ouvrir toutes les portes et tout. Bon, là, j'ai toujours ma balle. Ouais, donc ça veut vraiment dire que ça y est, c'est fini. Clé pique, ouais, parce que la clé trèfle et la clé cœur, on les a pas utilisées. Donc, soit on y revient plus tard, et soit on revient avec... soit c'est avec Claire que ça se passe. Ce qui est assez incroyable. Attendez. Non. Du coup, ce que je vais prendre, regardez, je vais faire des... Je vais en profiter pour faire... pour faire des munitions de pompe. Oui, voilà. Bon, attendez, est-ce que j'ai d'autres choses à faire? J'ai le truc rouge, je sais même pas du tout à quoi il va me servir. Il me reste toujours un spray. Dommage qu'on peut pas l'équiper sur une touche, sur un raccourci, le spray. Ouais, j'ai deux armes rouges et tout. Clé de la réserve, ça me servira plus à rien, je peux l'acheter. La clé pique, je peux l'acheter. Je la garde en tant que collectionneur. Oui, je sais, j'ai déjà sauvegardé, mais là, je vais re-sauvegarder. Si on perd, ça m'évitera en plein de salles secrètes, trouver l'issue. Ok. Étrange, étrange. Vous avez dit étrange? Comme c'est étrange. Et j'ai oublié mon timer. Et c'est pas grave. Alors, attention, restons vigilants. C'est bon. Regardez s'il n'y avait pas un truc derrière. Oh putain, j'aime pas les endroits sombres comme ça. Et merde. Bon, allons voir ce qui nous attend. Claire, ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah ouais, bah. Claire, mais non, elle se démerde. Non, Claire, elle se démerde toute seule, je voulais dire. Voilà. Oui, d'accord. Alors, on peut aller là. On va descendre, on va descendre. Je vais d'abord explorer tout ce qu'il y a à explorer. La trouelle. Clinique in progress. D'accord. Ah, mais ils ont vraiment rendu les choses beaucoup plus sombres. Hein. Il me semblait qu'ici, c'était illuminé. Oh. À équiper depuis l'inventaire permet de tuer des ennemis situés dans le rayon de l'explosion. L1 armé, R2 lancé. Peut être utilisé pour contre-attaquer. Oh, d'accord, ça peut être une arme de contre-attaque. Voilà. Attends. Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me faut une pièce là. Putain, un truc des stars. Ok. Ah putain, c'était peut-être dans le coffre. Ah putain! Est-ce que le coffre? Ah, parce que du coup, la bibliothèque, j'ai rien fait. Est-ce que les coffres, c'est tous les mêmes codes? Putain.
que si c'est tous les mêmes codes. Putain. Vous savez quoi, j'ai envie de recharger ma partie pour aller voir. Parce que du coup, ça veut dire que je suis passé à côté de plein de trucs du coup. On avance tranquillement, ça fait des bruits et tout. Non mais j'aime bien le fait qu'en fait ils ont voulu créer une ambiance beaucoup plus flippante quoi. Parce qu'il me semble pas que le 2 il était aussi flippant que ça quoi. Oulala, où est-ce qu'on arrive là? Allez Léo, tu peux pousser! Oh putain! Oh putain! Boss fight? Boss fight? Oh, merde. C'était obligé ça ou je me suis fait liguer? Non, c'est bon. Putain, mais qu'est-ce que c'est? Il veut de l'aide. Il faut que quelqu'un l'aide. Putain. Ça fait mal. Bah oui, mais t'essaies de me tuer, mon gars. J'ai un peu peur que ta grosse barre. Non, allez pas imaginer des choses sexuelles quand je parle de grosses barres. Oh là là, la visée! Putain, d'accord, un boss fight. Allez, vas-y, sors ton œil! Sors ton gros œil! Voilà! Maintenant, au pop! On va pomper! Putain, je suis dans un cul-de-sac! Ah oh là, on va lui pomper l'op. Non, c'est pas ça que je voulais. Allez, on retourne en arrière. Oulala, attention. J'aurais dû économiser. Vas-y, montre-toi. Montre-moi ton œil. Oh putain, c'est bien fait les effets de lumière. Le mec, t'es là. Aïe. Le mec, il attend de regarder ça. Allez, vas-y. Oh, des balles de flag. J'aurais peut-être dû garder mes balles. Oh putain. Ouais, mais attendez. Putain, attends. Bon, attends. Par où je passe là du coup? Voilà, par là. Allez, viens là, mon ami. Allez, on se casse. On recule. Non, je ne suis pas ta chérie. Désolé. Moi, je suis tombé amoureux d'une jeune fille qui est venue chercher son frère qui s'appelle Claire Redfield. Le terrain rouge. Ah. Oh. Il fait des bruits sexuels. Viens là, mon chéri. Terrain rouge. Le terrain sanglant. Viens là. Ah, moi je vois un gros œil, je tire sur le gros œil. Ah, il me poursuit. Je ne suis pas ta chérie. Oh, regardez-moi ce petit footing sexy dans son joli petit boule. Il veut ma peau. On fuit, désolé pour ce gueulage. Hop. Petit.
Non, je ne suis pas ta chérie. I'm not your chérie. Fuit, on s'enfuit, on s'enfuit. Fuyons. Ah, c'est bon, putain. Oh putain, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, va mourir. C'était quoi ce truc? Ouais, d'accord, l'échelle qui se débloque, c'est sympa. Quelqu'un m'observe. Ta-na-na. Quelqu'un m'observe. Qui était-ce? Ah là 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 là. Alors, attendez, on va faire un peu de place. Ah bah putain, bon, c'est un premier boss fight. Alors, je sais pas, mais quand tu tires avec le flingue, ça manque d'intensité, quoi. C'est pas aussi, je sais pas, t'es à... Elles ont... Le flingue, il a pas de patate, quoi. Et j'ai utilisé tous mes... Oh putain, j'ai... Ouais, d'accord. J'ai utilisé toutes mes munitions comme un con. J'aurais dû y aller aux pompes. Ce serait aller plus vite. Combiné. Voilà, hop, hop. Voilà, attendez, avant d'y aller, je sais que quelqu'un m'observe. Mais on va faire le tour de la zone, hein. Voilà, on n'est pas pressé. Voilà, ne nous pressons pas. Rien de précis, rien de pité. Voilà. Oui, d'accord, donc là, il n'y a rien à ouvrir. Désolé, hein, je fais le tour de la zone parce que je sais que j'ai oublié des trucs et des machins. Alors oui, je sais, je peux revenir par là. Ici, je suis déjà venu, il me semble. Oui, attendez. Oui, voilà. Hop. Ah bah voilà, une autre herbe verte, on prend, c'est toujours bon à prendre. Voilà, y'a rien d'autre, pas d'émulsion de gun par ici. Ah, j'ai bien fait de revenir, tiens. Voilà, très bien, d'émulsion de gun, c'est toujours plaisant. Hop. Voilà, on fait le tour, hein. On n'est pas pressé, après tout, hop. Comme je vous dirais, ce que je ferai après cette partie, j'irai voir si le code des coffres... C'est le même pour tous, parce que sinon je me suis bien fait niquer. Ouais. Hop, oui, bon, bah il a... Ah oui, c'est mon couteau de tout à l'heure, j'ai bien fait de le reprendre. Bon bah, remontons du coup. Qui était là? C'est vrai que c'est surprenant, t'arrives direct là-dessus, Oh, de la poudre black. De la black powder. Oh. Ça va, j'ai géré quand même, hein. Je me suis pas trop fait toucher. Il m'a pris une fois le cul. Ouais, bon, c'est que là, on arrive d'ici. On va garder ça. Tac, tac. Est-ce que je peux combiner deux? Oh, VV. Deux vertes. Ok, bah nickel. Bon, par contre, j'ai toujours pas de munitions. Putain, j'ai trop mal géré mon shotgun, franchement. Je vais arriver au boss de fin, j'aurai plus de shotgun, j'aurai plus rien, j'aurai plus de munitions. Putain. Bon, bien sûr, ça va faire un bruit. Ça sent l'énigme, ça, attendez. Ah non, faut que je pousse ça pour passer au-dessus. Ok, d'accord. Nickel. Allez. Allez, Néon. Vas-y, on fait un mouvement synchronisé. Oh. Ouh. Est-ce qu'on peut changer de... Ah putain, non, on peut pas changer d'épaule. Oh merde, je suis trop près. Bon, que la personne qui m'observait se présente. Je lui ferai aucun mal. Surtout si son prénom est en trois lettres, qui commence par A, qui finit par A. Hein? Voilà. Et question dans l'œuvre. Et si on rajoute une lettre à son prénom, ça fait faux. Ah bah d'accord. Eh? Non, ok, d'accord. Bon, bah on arrive à la sauvegarde, tout va bien.
Ouh, une nouvelle sacoche. C'est ça qui est beau. Alors attends, j'avais trouvé de la black powder. La black powder. On va la poser, la black powder. Voilà, déposer. Bon, pour l'instant, là, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, déposer. Voilà. Tac, on est bon. On est bon, les amis. Salle secrète, hall principal, commissariat, salle secrète. Donc, vous savez quoi? Ouais, je vais garder la dernière sauvegarde là que j'ai fait. Allez, Léon. Léon! Bon, vous pouvez voir l'air aussi à qui j'ai enregistré. Petite sauvegarde, petit buvage. Voilà, alors je suis assez surpris, hein. Ce sera le mot de cet épisode. Et franchement, comme je vous disais, je suis assez surpris de voir que, franchement, le commissariat, c'est quoi? C'est les deux premières heures de jeu? C'est tout. Après, peut-être qu'on va y revenir, hein, mais. Bon, sauvegarde automatique. Et on grimpe! Et on grimpe, et on grimpe. Alors, on est dans le parking. Il me semble que c'est ici qu'on voit les chiens pour la première fois. Oh putain, ça va être chiant. C'est bien ce qui me semblait. Si on va les esquiver, on les esquive. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Bon, c'est fermé. On sait jamais, peut-être que la deuxième fois ce sera ouvert. Oh, ne me jugez pas. Il y avait un bruit de guns. Ne me jugez pas si je l'aime autant. Bon, on va forcément passer par là. Ah! Un sac de carte, d'accord, donc il nous faudra une carte. Merde. Il me faut la carte. Donc! Putain, eux, c'est pas des zombies, ils sont encore plus vifs. Ah, je bouge le stick, hein, on sait jamais. Ouf. Hey. Qui êtes-vous? Attention. Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Désolé pour le reniflage. Me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. À la monteuse. Hé hey, mais qu'est-ce que je dois faire? Salope. Oh, attendez. Rouge. C'est fermé. On fait le tour du parking, il y a peut-être des munitions, des machins, des minutes, des chouettes. Alors, première rencontre avec les chiens. Bon, ils ont pas été salauds. Attends, c'est pas là d'où je... normalement, je suis censé la suivre, hein, ok. Moi, je viens d'où? Moi, je viens du... Attends, je viens d'où? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, attends.
Je reviendrai. Et si j'allais la suivre plutôt? Attends, moi je viens de la plaque d'égout. Elle est partie par ici. Donc, la logique veut. Voilà. Ici. Attends. Ne nous pressons pas. On va fouiller un petit peu. Voilà, voilà. J'aurais loupé des balles de guns. Voilà. Tac tac tac, il n'y a plus rien à prendre ici. Ouais, voilà. Après, je sais qu'il faudra que j'aille dans l'autre, dans l'ordre, hein, mais bon. Attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Plan du commissariat B1. D'accord. Oui, alors parking. Lecteur de cartes. Stand de tir. D'accord. Stand de tir. Tac tac tac. Salle du générateur. La morgue. Le chenil. El Famoso. Oh putain. Ouais, stand de tir. Là, j'imagine que ça doit être une save room. Ici. Ouais. Moi, je suis où? Je suis là. Tac. Ouais. Reste à terre. Il est resté à terre. Voilà, bon, alors. C'était quoi ça? Bon. Alors, voyons, est-ce que cette porte est ouverte? Non, faut passer. Oh putain, je t'ai dit de rester à terre. Bordel. Johnny, c'est pas sérieux tout ça. Mais putain, mais... Laissons-les pourrir. Hein? Ta gueule. Avançons doucement. Messieurs, c'est pas l'heure de sortir. Désolé. Oh, mais quelle jolie... Oh là là, mais quelle jolie danse sexy. Vous êtes un habitué du pole dance? Hein, un habitué du Coco Bongo, c'est pour ça. Ah d'accord, je comprends tout à fait. Bon, lui, d'accord. T'as l'impression dans les cellules, il y a des trucs à récupérer. Ouais, il doit y avoir des trucs à récupérer dans les cellules. Non. D'accord. Y'a quelqu'un? Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut l'humain. Depuis quand vous êtes là? Trop longtemps. On est les derniers survivants? Non. Non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons? Le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi? Comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'étais sur le point de balancer ces magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine. Hé, je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici.
Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit d'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Belle. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça. Je connais même pas votre nom. Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, alors. Bon. Non, je sais où il faut aller. Oh non, de chat. Putain, il y a des trucs de péril. Ah là 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 là. Panneau électrique des cellules. Les panneaux électriques est... Le panneau électrique est HS. Est-ce que le responsable pourrait régler ça? Et vite. Tout le monde doit le savoir, mais vu l'âge du panneau électrique, les cellules, on va avoir besoin de pièces que plus personne ne fabrique. Il doit y avoir dans la salle du générateur. Addendum. On me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut quelqu'un qui lui pique. Lui demande gentiment. Ouais, ok. T'as raison, quelle horreur. Bon, alors le panneau électrique, d'accord, faut que je le répare. Allez, putain. J'espère que je vais pas tomber sur Monsieur X, comme il l'appelle. Non, désolé, monsieur. Désolé. Oh putain, il faudrait que je fasse le ménage avant. Ouais, évidemment. Ouais. Il va falloir que je fasse le ménage. Tu sais quoi, je reviendrai. Et quand je reviendrai pour faire le ménage, quand je reviendrai pour poser les trucs. Ouais, je vous disais donc, quand je reviendrai pour réparer le panneau électrique, et ben je ferai le ménage. Bon, j'avais bien tilté, il fallait que j'aille de l'autre côté. Ok. Vous avez vu ça? C'est le chat qui est mort tout à l'heure. Un petit footing sexy. Oh. Son joli petit boule à Léon. Allez. Bon. Alors, mon but, c'est d'être dans la salle de sauvegarde. La la la, tout va bien, je vais bien. 32 tirs, ok. Alors, destruction d'équipement. Objet à détruire. Clé du véhicule de patrouille 7439. Détail. Clé pliée inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et le coffre de la voiture grâce au bouton. Ok, intéressant ça, ouais. Une boîte. Bon, on va l'examiner. Putain, par contre, c'est dommage qu'ils nous disent pas, qu'ils nous proposent pas. Il y a quelque chose à l'intérieur. Qu'ils nous proposent pas d'ouvrir directement. Vous savez, quand on est dans le... Ah ah ah! La clé de la voiture 7439 qui va rameuter tous les chiens. Bon. Je
Je regarde un peu ce qu'il y a là-bas, ok. Alors là, tac, je peux aller directement dans le centre de tir ou par ici. La clé carreau! Putain. Bon. Nyeh. Non. Je t'ai eu. Je regarde hein, s'il y a rien du tout. Ok, nickel. Bon, avançons. La clé carreau qui n'a servi à rien. Attends. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo de Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets, Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains gardements les utilisaient pour s'entraîner au tir. Et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis, c'est très dangereux, alors ne faites pas ça. À bientôt, zoo. Mister Raccoon. Voilà. Bon, désolé pour cette voix débile. Bon, ici, moi je pensais trouver une salle de sauvegarde. Que dalle. Là, il me faut la clé de pique. La clé carreau, excusez-moi, je dis la merde. Alors, salle du générateur. Le chenil, il me semble très... voilà. C'était donc un raccourci. Bon, avançons. Là, c'est fermé, d'accord. Donc, à mon avis, ça raccourcit vers le commissariat. Bienvenue à l'hôtel commissariat. Y'a toujours de place, y'a toujours de place. Et sur ta gueule, des traces. Alors là-bas, c'est pour s'exciter un petit peu. Tac, tac, tac. Ici, ça sert à rien. Donc, il faut que je passe le tour. Que je passe par le chenil. Donc, on va faire vite. Hop, tac, 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 tac. Et après. Ah putain, et la morgue là, je peux pas. Oh putain, d'accord. Le pire, c'est que j'ai pas de munitions de pompe, donc ça va être chaud. Ah, c'est pas des bruits de chat, ça, c'est des bruits de... C'est des bruits de loup, ça. Hop. Oh, de la plante bleue! Ah, attendez. Est-ce que je peux faire... Attendez. Ah, le mélange ultime. Attends, fais voir. Hop, ce mélange de trois plantes restaure totalement la santé, réduit les dégâts subis et protège temporairement contre le poison. Restaure totalement la santé. Réduit les dégâts subis. Oh. Bon. Allons dans ce fameux chenil, je voulais éviter les chats parce qu'ils sont trop vifs et... Franchement, attendez. Pour viser, c'est chaud. Hop. Piti. Il y a là-dedans. De la poule. Je devrais aller dans le truc. Piti. Piti. Bon, j'ai usé trop de munitions. Bon, très bien, ça s'est bien passé. Bon.
Il y a des bruits bizarres, effectivement. Toujours se repérer. Hop. La morgue, évidemment. Évidemment, faut que je passe par la morgue, évidemment. Voilà. Qui dit morgue ? Dit mort vivant. Non ! Je les ai niqués ! Bon, attends. On va quand même aller vérifier ce qu'il y a dans la morgue. Rapport d'autopsie numéro 53477. Nom du défunt, Justin Hanson, homme blanc, 39 ans. Observation. Retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens, les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaît vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Ouais, d'accord. Donc il faut que je trouve... Ils vont tous se réveiller, ça va être la panique. La panique! Ok. Il y a mort qui n'est pas resté vraiment mort. On voit pas les noms. Il y a encore un truc à faire là-dedans, mais je vois pas. Non. Oh putain, d'accord. Il lui plante pas dans la tête. Désolé mon gars, mais il te ressemble à rien. Bon, il est pas mort. Et là, il est mort. Alors, il faut que je trouve Justin Hanson. Non, mais je crois qu'en fait tu peux pas lire le nom. Ok, d'accord. Oh, D'accord, très bien. Faudrait que je retourne à la voiture pour voir ce qui se passe. Bon. Si on voit un mort, on le laisse à sa place, d'accord? Bon, Justin! Ah. Voilà, on va vous laisser là où vous êtes, les gars. Les filles, je vais toujours... Bon, très bien. Voilà. Alors, désolé, cette fois, elle est un peu chiante. Bon, d'accord, il y a quelque chose qui bloque derrière. Ok, très bien. Voilà, bon alors. Dans le dernier, ici, il y a quelque chose. Ok, on va voir de l'autre côté ce qui se passe. Voilà, hop, alors. Lui, il n'y a rien. L'autre faudra le tuer, donc bon, autant s'y faire à l'idée. Oh. Je vous laisse dormir, madame. Ça se trouve ça, monsieur, mais bon. Bon alors, il y en a deux.
potentiellement intéressant. Hop, pour l'instant. Potentiellement 3. Ok, donc il y a 3 zombies qui m'intéressent. Parce que on sait que c'est un voleur, il a des choses sur lui. Donc attendez, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ah merde, putain, j'ai déjà pris le rapport. Donc attendez, ce que je vais faire, c'est que... Hop, hop. Retrouver les morts dans sa cellule par le gardien. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Sans doute mort peu après l'extraction des feux. Hein, le défaut était inquiétant. Bon, alors attends. Bon, mon gars, je te laisse dormir. Hop. Oh, putain, je suis en galère de munitions. Bon, alors, trou de manivelle, d'accord. Donc maintenant, il faut qu'on aille à la salle du générateur. Allez, c'est parti. Bon. Putain de morgue. Hop. Allez. Elle me sera encore utile. Allez, la salle du GD. Hop. Allez, combiné. Putain, je suis blindeur d'herbe et tout. Les grenades. Alors attention, désolé, je parle très peu parce que putain, il y a une putain d'ambiance là. Composant électronique en boîte. Ah ah, pour la prison. Très intéressant. Poudre noire, très intéressant. Sauf que là, j'ai plus de. J'ai plus rien, j'ai plus. Putain d'ambiance de ouf. Oui, d'accord, très bien. Alors là, il y a une sauvegarde à faire. Bon, il faut que je mette les deux aiguilles dans le rouge, hein, mais bon. Hop. Là! Mais je t'ai vu, les gars. Regardez. Désolé mon petit bidon, mais je t'avais vu. Il y a eu du sport, mais moi je suis resté tranquille. Voilà. Bon, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on est là. Hop, bon ça doit faire une demi-heure, donc c'est bon. Hop. Alors attends. Un stand de tir, je peux y retourner. Ah, la porte elle est ouverte de l'autre côté. Ok.
Attends, c'est où? Tac. Oh putain, mais il faut que je fasse tout le tour. Oh la gauche. Bon, je vous dis. La vache. Il arrive. De toute façon, il n'y aura pas de surprise. Il est où? Heureusement qu'ils sont un petit peu cons. Oh putain, heureusement qu'il a bugué un petit peu parce que là j'étais dans la merde. Bon, alors, allez, on continue. Je sais pas d'où ils sont sortis ces chiens, hein. Ils avaient tous buté dans la cage. Wouh, j'avoue, ça m'a surpris. Bien, ouais. Il va me falloir 3 balles, putain! Bon. On va arrêter de jouer là, parce que je suis en train d'épuiser toutes mes munitions. Alors, tac, 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 il faut que j'aille de l'autre côté. Mais avant. Je reviendrai. Non, 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 non. Attends. Là que c'est éclairé, peut-être qu'on voit d'autres choses. Ah, putain. Voilà que les carreaux, elle me sert à rien. Enfin, elle me sert à rien. Je l'ai pas plutôt. Non, c'est juste, c'était juste le socle de. Putain, on est dans un stand de tir, y a pas de munitions. Non, parce qu'en fait, je voulais utiliser le... Ça, là. Elle est tordue. La clé de la voiture, parce que j'en suis... Il doit y avoir des munitions dedans. Dans le coffre de la voiture et tout. Et à mon avis, c'est celle qu'il y a sur le parking. Ce qu'il y a, c'est que vu que je suis à la dèche de munitions, là, je peux pas vraiment me permettre de... De faire des choses incroyables. Hop, allez. Putain, je suis vraiment en galère là. Là, je suis dans la merde, les gars. Bon, salle de pause. Bon, je suis revenu au commissariat. Donc, ça me semblait bien trop louche que. Allez, dis-moi que c'est une sauvegarde. Bon, vous savez quoi? Moi, je vais vous laisser ici. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Un épisode bien chargé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.